Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 5 et soyez les bienvenus en société. Reportage, témoignage, interview, voici le sommaire de ce dimanche 10 décembre. J-2 avant la fin de la conférence pour le climat à Dubaï, ville symbole à la fois du pétrole et de la démesure. Une COP de la honte selon ses opposants qui critiquent notamment l'omniprésence des lobbies des énergies fossiles. Mais il y a quand même eu quelques avancées, alors COP pour rien ou COP utile malgré tout. Nous poserons la question à notre invité dans un instant. Au Proche-Orient, semaine marquée par la reprise de la guerre totale dans la bande de Gaza, marquée aussi par les révélations sur les atrocités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Les femmes otages libérées la semaine dernière commencent à parler et racontent comment le viol et les sévices sexuels ont été utilisés ce jour-là comme une arme de guerre. Des révélations qui alimentent un peu plus la colère et la radicalisation d'une partie de la société israélienne, surtout visible en Cisjordanie où les Palestiniens payent au prix fort la libération de la violence des colons et de l'armée israélienne. Nous avons choisi cette semaine de suivre des Israéliens qui disent non et qui dénoncent la réalité de la colonisation au risque de passer pour des traîtres dans leur pays. Et puis c'est l'un des serpents de mer du moment, l'une des réformes sociétales plusieurs fois reportées par Emmanuel Macron. La nouvelle loi sur la fin de vie ne sera pas dévoilée avant janvier et dans ce contexte, nous vous faisons découvrir ce soir un métier qui mêle le soin et l'écoute, celui de biographe hospitalier, ces hommes et femmes qui tiennent la plume pour raconter dans un livre l'histoire des malades en fin de vie, reportages et témoignages sur ce plateau. Vous êtes en société et c'est parti. C'est parti, merci d'être avec nous en société, épisode 13, déjà en public comme tous les dimanches soirs, 1h15, pour décrypter la société et l'actualité de la semaine. Avancée politique à 20h avec Thomas Negaroff. Question posée ce soir, à 2 jours de la fin de la COP, la conférence pour le climat à Dubaï, le lobby pétrolier a-t-il déjà gagné? Question que nous allons aussi poser à celui qui va nous accompagner en ce début d'émission pour décrypter les avancées ou les reculs de cette 28e COP, conférence pour le climat qui se tient donc au pays du pétrole. Bonsoir Nabil Ouakim. Bonsoir. Très grand pédagogue, difficile d'ailleurs de faire mieux sur ce terrain-là, d'où votre présence ce soir. Essayiste et journaliste au Monde, spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie, auteur du podcast Chaleur humaine, dont vous venez de tirer un livre, 18 réponses à la menace climatique, publié aux éditions du Seuil. Et justement, en parlant de chaleur, c'est pas une grosse surprise, on s'y attendait, mais ça a été confirmé cette semaine par l'Observatoire européen Copernicus. L'année 2023 est bien la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Et si les efforts ne sont pas suffisants, on estime maintenant que le réchauffement pourrait atteindre les plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. C'est pas hyper rassurant. Quand on passe son temps, comme vous, à faire de la pédagogie pour essayer d'éveiller les consciences, qu'on fait ce podcast toutes les semaines, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que ça donne envie parfois de lâcher l'affaire, entre guillemets? Ah non, surtout pas maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est vrai, on voit de plus en plus les conséquences concrètes du changement climatique, les inondations, les canicules, les sécheresses, et le fait qu'aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes sur cette planète sont directement sous la menace de conséquences climatiques très graves. Donc ça, évidemment, c'est très important et très grave, mais c'est surtout le moment de ne pas lâcher l'affaire, d'autant plus que c'est le moment dans lequel on voit qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante. On va parler de la COP, mais avant ça, il faut parler de nous toutes et tous, des citoyennes et des citoyens, et on voit bien, en France, en Europe et dans d'autres pays du monde, que la prise de conscience sur les enjeux climatiques, elle est de plus en plus importante. C'est le paradoxe du moment. Nous avons de très mauvaises nouvelles et en même temps, on est tous plus ou moins plus sensibles qu'avant, disons, à la question climatique. Ouais. Ouais, c'est ça, mais on est tous intelligents, je pense, et on peut comprendre que c'est vrai, on n'est pas sur la bonne trajectoire, on ne fait pas les efforts nécessaires, les États, les entreprises, les ménages, pour nous mettre sur la trajectoire des accords de Paris, pour maintenir une planète vivable. Mais d'un autre côté, c'est encore possible de faire ces efforts et de faire les changements qui nous permettraient d'être sur une bonne trajectoire. Donc il faut arriver à manier les deux, c'est dur, mais c'est possible. C'est possible. On va décrypter, Nabil Ouakim, ensemble la COP28 qui s'achève donc dans 2 jours à Dubaï. Et c'est d'ailleurs la COP28, la première image du mix signé Alex Guetta. On commence avec la COP28 qui se déroule jusqu'à mardi à Dubaï, un sommet pour la planète avec cette année une question centrale: que faire des énergies fossiles? The science is clear. The 1.5 degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate. Sortir définitivement des énergies fossiles ou simplement les réduire, l'avenir du monde suspendu au choix d'un verbe pour tenter d'influencer les débats, des militants écologistes manifestent chaque jour devant l'enceinte de la COP.
More than 2,400 fossil fuel lobbyists have been allowed to roam these halls free, completely unchecked. Meanwhile, civil society is being sidelined and censored, and our voices are being silenced. En d'autres termes, peu de chances d'imaginer une feuille de route actant la fin des énergies fossiles d'ici la fin du sommet. Et en même temps, avec un président de la COP, PDG d'une compagnie pétrolière, il serait presque naïf d'imaginer une autre issue. La trêve n'est déjà qu'un lointain souvenir. Après avoir pilonné le nord de la bande de Gaza, depuis plusieurs jours maintenant, l'armée israélienne s'est attaquée au sud avec toujours le même objectif. Dans la ville de Khan Younes, où de nombreux Palestiniens s'étaient réfugiés, les combats au sol et les bombardements se sont intensifiés. Pour rester en vie, des centaines de Palestiniens ont fui les zones de combat toujours plus au sud, direction Rafah. Là-bas, les familles s'entassent sous des abris de fortune, laissant craindre une situation sanitaire catastrophique. Elle s'appelait Julia. Cette Italienne avait 22 ans. Poignardée à mort par son ex-compagnon, c'est un féminicide qui a bouleversé l'Italie. Je me sveglio ogni mattina e viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. L'onda emotiva suscitata in tutto il paese dall'omicidio di Giulia cresce di giorno in giorno. Pour ses funérailles, une foule compacte et bruyante a rendu hommage à la jeune femme en agitant des trousseaux de clés, symbole familier pour de nombreuses femmes qui tiennent leurs clés en main lorsqu'elles rentrent seules pour ouvrir leur porte d'entrée le plus rapidement possible. Partout en Italie, des manifestations. Giulia, non basta, silenzio e lutto. Et des minutes de silence pour Giulia dans les écoles qui se sont transformées en minutes de bruit. Une prise de conscience nationale qui a poussé le Parlement italien à renforcer la législation contre les violences faites aux femmes. Giulia est la 105e victime de féminicide recensée cette année en Italie. Cette semaine, les présidentes de Harvard, du MIT et de l'Université de Pennsylvanie étaient auditionnées au Congrès. L'objectif, évoquer la recrudescence de l'antisémitisme dans les grandes facs US depuis le 7 octobre dernier. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? La question paraît simple et pourtant les réponses ont de quoi laisser perplexe. Yes or no? It can be depending on the context. I've heard chants which can be anti-Semitic depending on the context. When calling for the elimination of the Jewish people. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. Aucune des trois présidentes n'a donc été capable de répondre par un simple oui. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. La séquence, qui dure au total 3 minutes 30, a provoqué un véritable tollé aux États-Unis et partout ailleurs. Pour l'occasion, certains se sont mis sur leur 31. Attends, quoi? Elle ouvre ma chemise, elle ouvre ma cravate. Je me tais. Dans le monde du jeu vidéo, l'annonce a fait l'effet d'une véritable bombe. Cette semaine est sortie la bande-annonce du jeu GTA 6, une bande-annonce suivie en direct par des dizaines de milliers de fans qui attendaient ça depuis maintenant 10 ans. Oh my gosh, we finally got it! It finally happened! GTA 6, un jeu politiquement incorrect où tout est permis, mais avec cette fois une nouveauté de taille. Pour la première fois, il y a un personnage principal féminin
qui est jouable. Et ça, c'est une petite révolution. Lucia, c'est son nom, sera donc l'une des deux héroïnes du jeu. She's so freaking hot! Seule frustration pour les joueurs, le jeu ne sortira qu'en 2025. 2025, j'aurai des enfants en 2025! Avant même sa sortie, pas vraiment de doute, GTA 6 sera le jeu le plus vendu de toute l'histoire. À titre d'exemple, GTA 5, sorti en 2013, s'était vendu à plus de 185 millions d'exemplaires. Le mix d'Alex Guetta avec Simu Young et Nat Courty, regardé par notre invité Nabil Ouakim, journaliste au Monde, spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie. La COP28 à Dubaï, c'était la toute première image retenue par Alex Guetta dans son mix. Et c'est l'une des grandes actus de la semaine. Cette COP qui s'achève dans deux jours, normalement, parfois c'est un peu prolongé, mais dans deux jours, normalement. Donc, question assez simple, Nabil Ouakim. COP de la honte parce qu'elle est au pays du pétrole ou COP plus utile qu'elle n'y paraît? Moi, je pense que c'est une COP plus utile qu'elle n'y paraît. C'est évidemment une très mauvaise chose d'organiser le plus important de nos sommets climatiques dans un pays pétrolier, exportateur de pétrole, qui continue d'investir dans le pétrole et le gaz. Évidemment que c'est une mauvaise idée. Maintenant, on n'a pas d'autre cadre de discussion au niveau international que celui-là, dans lequel la quasi-totalité des pays du monde, des institutions internationales sont là et essayent de se mettre d'accord. Et puis, il faut noter que quand même, de COP en COP, on ne s'en rend pas compte, mais on avance sur le plan diplomatique. Mais on avance puisque là, le débat de cette COP, on le voit bien, c'est un débat sur à quelle vitesse il faut sortir des énergies fossiles. Il y a quelques années, ce débat était impossible. Il n'était même pas ouvert. Il n'était même pas ouvert. Et donc, on voit que même avec des pays pétroliers, c'est possible d'avoir cette conversation-là. Maintenant, avoir la conversation, ça ne suffit pas, puisqu'il faut aussi prendre des décisions et se mettre d'accord sur un cadre. Et ça veut dire que ce n'est pas grave si cette COP est dirigée par cet homme dont on a déjà beaucoup parlé, qui s'appelle Sultan Al-Jaber, qui dirige la Compagnie nationale de pétrole des Émirats. Ça veut dire qu'il faut faire avec eux de toute façon, avec eux et avec les pétroliers? C'est toujours la même chose. On ne joue pas avec une équipe de rêve, on joue avec l'équipe qu'on a. Voilà. Donc, dans l'équipe qu'on a, il y a des pays pétroliers, il y a des pays qui ont des grands intérêts liés à des compagnies pétrolières et gazières, et donc il faut faire avec. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais si on regarde dans le futur, les prochaines COP, il y a de grandes chances qu'elles se tiennent aussi dans des pays pétroliers, peut-être en Azerbaïdjan, au Brésil, Dubaï en Australie, Dubaï, qui est un pays charbonnier. Donc, en fait, de toute façon, il va falloir faire avec. Le sujet, c'est plutôt de dire, est-ce que ces gens-là montrent qu'ils peuvent être à la hauteur de l'enjeu? Il ne s'agit pas de dire qu'on va sortir du pétrole et du gaz du jour au lendemain. Demain. Il s'agit de dire qu'il faut construire une trajectoire crédible. Est-ce que eux, qui prétendent être crédibles, ingénieurs, sérieux, capables de comprendre la science, est-ce qu'ils sont capables de construire cette trajectoire? Est-ce qu'ils en sont capables? Du coup, est-ce qu'ils ont montré depuis le début de cette COP, parce que nous, on ne suit pas au quotidien les débats qui s'y déroulent, est-ce qu'ils ont montré qu'ils l'étaient et est-ce qu'on peut l'être quand on a entendu le chiffre? 2400 lobbyistes du pétrole accrédités, c'est-à-dire que ce serait la troisième puissance. Si les lobbyistes étaient un pays, tous ensemble, ils seraient la troisième puissance mondiale lors de cette COP. Est-ce qu'ils ont montré des signes, justement, de progression, d'amélioration? Alors, sur certains aspects, oui, parce qu'au début de la COP, on a eu des annonces qui allaient plutôt dans le bon sens, notamment la création d'un fonds pour ce qu'on appelle les pertes et dommages. C'est important. Donc, en fait, les conséquences du changement climatique, notamment dans les pays du Sud, pour qu'un certain nombre de pays contribuent, donnent de l'argent pour qu'on fasse face à ces conséquences. Pour indemniser les pays qui font face à ces catastrophes. Absolument. Ça, c'est important, c'est non nul. Mais c'est vrai que c'est dans quelques jours qu'on saura, à la sortie de cette COP, si le texte final mentionne ou non, et sous quelle forme, une sortie des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment le point crucial, et c'est à cette aune-là que sera jugé le bilan de cette présidence de la COP. On rappelle que la COP 27, qui était en Égypte, il n'y avait pas eu de communiqué commun, on est d'accord Et il n'y avait pas eu de mention des énergies fossiles à ce stade. Donc il n'est pas du tout sûr que... Et puis, il faut aussi avoir quelque chose en tête. Même s'il y a une mention des énergies fossiles dans le communiqué final, ce n'est pas pour ça qu'ensuite, immédiatement, tout le monde se met à construire une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça a un impact symbolique très fort pour les États et aussi pour les investisseurs, pour les compagnies pétrolières. Si l'ensemble des États du monde disent « voilà, on croit à une trajectoire sérieuse de sortie des énergies fossiles », eh ben ça, c'est quand même très sérieux. Donc ça, on verra, et c'est l'enjeu des 48 prochaines heures. Il y a le fonds pertes et dommages dont vous parliez. Alors, c'est 100 milliards de dollars, hein, promis par les pays riches. Pour l'instant, il a été abondé à
seulement 700 millions d'euros. Donc on est encore loin du compte. Et il y a une autre annonce importante, je crois, c'est l'engagement d'une centaine de pays, dont la France d'ailleurs, à tripler leur capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 7 ans. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est tenable comme engagement? Alors c'est très difficile, mais c'est un engagement qui là aussi est très important. Et ça envoie le signal qu'il faut développer le plus rapidement possible les énergies solaires et éoliennes partout dans le monde. C'est déjà ce qui est en train de se passer parce que ce sont des énergies qui aujourd'hui sont devenues beaucoup moins chères et donc accessibles, y compris dans un certain nombre de pays du Sud. Mais il y a un problème de financement. Il faut pouvoir mettre l'argent pour que dans un certain nombre de pays, et notamment dans les pays du Sud, on puisse accélérer. Et donc ça va y aider. Il faut simplement comprendre que c'est très bien de faire ça, mais ça ne suffit pas si on ne décélère pas sur les énergies fossiles. Faire du vert tout en continuant à faire du gris, ça ne marche pas parce que les émissions de gaz à effet de serre, eh bien elles continuent de s'accumuler dans l'atmosphère. Et vous l'avez souvent dit sur d'autres plateaux sur lesquels on a débattu, enfin je vous ai posé des questions, vous avez débattu, c'est qu'aujourd'hui il faudrait arrêter de forer le moindre puits de pétrole dans le monde si on voulait tenir les accords de Paris. Alors ça c'est ce que nous disent les scientifiques et l'Agence internationale de l'énergie, ils disent voilà, il ne faut pas de nouvelles exploitations pétrolières et gazières parce qu'en fait, eh bien, quand on fait un puits de pétrole, on n'investit pas sur 4 ans ou 5 ans, on investit pour des années, pour 20 ans, pour 30 ans. 30 ans, ça nous amène en 2050. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on consomme à peu près 100 millions de barils de pétrole tous les jours. Voilà, on est quasiment au plus haut historique. Voilà, il faudrait que cette année, on est à 103 millions de barils par jour, il faudrait que ce soit notre maximum et qu'à partir de maintenant, on diminue. Si on suit une trajectoire qui nous amène à la neutralité carbone en 2050, on n'est pas à zéro pétrole, mais on est à 25 millions de barils de pétrole. Donc on est divisé par 4. Voilà, donc c'est un effort qui est très très important. Il faut mesurer que ça demande des efforts à beaucoup de monde, à beaucoup de pays, à beaucoup de compagnies pétrolières notamment. Notamment les pays du Golfe dont l'économie est basée principalement sur le pétrole et aussi sur les autres énergies fossiles d'ailleurs. Il y a d'autres enjeux, notamment la place des nouvelles technologies dans la lutte pour l'urgence climatique. Ce que certains appellent le technosolutionnisme, est-ce que la technologie va nous sauver, peut contribuer à nous sauver? Est-ce que c'est présent, ça, exemple, la captation du carbone. Est-ce que c'est une vraie solution ou un faux espoir comme les échos posaient? Globalement, on sait qu'on a besoin de technologie. En fait, il faut réfléchir en se disant que comme on n'a pas beaucoup de temps, il faut utiliser tout ce qu'on a sous la main et qui peut nous aider à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Le problème de la captation de carbone, c'est que pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc, le risque, c'est qu'un certain nombre d'États pétroliers ou de compagnies pétrolières, c'est notamment le cas des compagnies pétrolières américaines, misent tout là-dessus en disant « vous inquiétez pas, on peut continuer à émettre autant, de toute façon, on arrivera à séquestrer ce carbone ». Le problème, c'est que technologiquement, ce n'est pas au point, économiquement encore moins, et le temps de le développer, tout ça prendra de très nombreuses années. Donc, on aura besoin de séquestration et de captation de carbone à un moment donné, mais ça ne pourra faire qu'une toute petite partie du travail. J'essaie de résumer, puisque vous êtes assez... En tout cas, vous voulez prendre le verre à moitié plein pour cette COP. Sur le pétrole, on va voir s'il y a une trajectoire qui est indiquée d'ici... Et le gaz, d'ailleurs, indiqué d'ici 2 jours. Sur le charbon, en revanche, on peut dire que les choses vont dans le bon sens. Alors, elles vont dans le bon sens dans un certain nombre de pays occidentaux. On voit qu'il y a des trajectoires de sortie du charbon. Alors, en France, on n'était pas très dépendant du charbon. On a encore 2 centrales à charbon en France, mais elles produisent finalement assez peu. Le problème en Europe, c'est l'Allemagne et la Pologne. En Allemagne, il y a une trajectoire de sortie. Et puis, aux États-Unis, le charbon est devenu plus cher que le gaz. Donc, c'est plus très important pour eux, le charbon. Par contre, le charbon, c'est très important en Chine. C'est très important en Inde, qui continue de développer des capacités charbonnières. C'est très important dans un certain nombre d'autres pays du Sud, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Et donc là, il faut aussi que les Occidentaux montent au créneau, d'abord pour dire qu'il faut arrêter le charbon, mais aussi pour aider un certain nombre de ces pays en disant, bah voilà, on va vous accompagner pour développer les énergies renouvelables, pour pouvoir arriver à sortir du charbon, parce que le charbon, je le rappelle, c'est l'énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre quand il s'agit de produire de l'électricité. Plus que le pétrole et plus que le gaz. Quand il s'agit de produire de l'électricité. Vous restez encore un peu avec nous, Nabil Ouakim. Le dérèglement climatique a des conséquences très concrètes dans beaucoup de pays. Et la France commence aussi petit à petit à comprendre quel type de défi ça va impliquer dans le futur. Il y a un mois, des pluies diluviennes avaient provoqué des inondations historiques dans 400 communes du Nord et du Pas-de-Calais, provoquant le déplacement forcé de près de 1500 personnes qui vivent dans le marais qui a été submergé. Un mois plus tard, nous sommes allés à la rencontre de ces sinistrés. Vous allez voir qu'ils ne se voient pas forcément comme des réfugiés climatiques et qui s'interrogent sur leur avenir dans cette région. Reportage signé Edward Haywood avec Jacques Etcheberry. On voit bien la maison d'habitation là. Juste au niveau des fenêtres, là, l'eau elle est rentrée par les fenêtres, au niveau du seuil de porte. Donc elle a monté tout doucement. Et puis un beau jour le matin, je me suis levé et super surprise, les pieds dans l'eau.
Des mois d'une sécheresse historique suivie depuis quelques jours de pluies exceptionnelles, c'est en résumé la situation dans 6 départements qui ont été placés en vigilance orange. Face à l'ampleur de ces inondations historiques, Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce matin avec Brigitte Macron. On va mettre en place un fonds qui permettra d'accompagner les pertes de production exceptionnelles. On avait tout à l'heure des producteurs d'endives qui manifestement auront tout perdu. Je suis Jérôme Moivran, donc je suis maraîcher à Tilque, un village près de Saint-Omer, le marais Audomarois. Bon, là-bas, c'est la maison de mes grands-parents. Ça fait 250 ans à peu près qu'on est maraîcher de père en fils sur la commune de Tilque, dans le marais de Saint-Omer. Dans le bassin, on est à peu près une cinquantaine d'exploitations. Tout le monde a été touché, plus ou moins. Il faut s'imaginer qu'il y a 2 semaines, il y avait à peu près 1,20 m en plus de niveau. Donc les choux étaient complètement bons à récolter, mais recouverts par l'intégralité de l'eau. Et du coup, il restait à peu près 2 hectares de choux à récolter, donc 40 000 choux-fleurs qui ont été foutus de notre saison. C'est comme ça. Bah ici, ça va, tu vois, aujourd'hui, on peut passer les pieds au sec, en fait, parce que là, quand on était là, il y avait de l'eau jusque les 3/4 de la botte. Et c'était couvert, vraiment pas joli à voir. On voit la feuille, elle a été flétrie. Donc tout ça, c'est très moyen pour l'avenir. Donc je préfère les vendre petite taille directement pour sauver la production. Bah mamie, tu vois, tu notes tous les jours tes pluviométries. Ouais. C'est quand même vachement variable hein, d'un mois sur l'autre. L'été était quand même sec, ouais. Indéniable. Et puis d'un seul coup, octobre 128 et novembre, le total n'est pas encore fait aujourd'hui, mais on pourrait c'est le faire, il y a à peu près 280, je crois, millimètres. 200 millimètres dans 10 jours. Jamais on a eu ça, jamais, ouais, jamais. Ici, là. Papy m'a retrouvé quelques photos des inondations dernières. 1995, il y avait les premiers escaliers qui étaient à peine touchés. En 2002, on est arrivé juste au coin du pignon. Et puis ici, cette fois-ci, on parle de 40 cm d'augmentation du niveau. Mes parents ont profité des années 60 pour développer leur activité et petit à petit à mécaniser, que ce soit avec des tracteurs, des motoculteurs. On voit ici mamie qui était en train de récolter des énormes choux-fleurs. C'est un métier où on doit y aller avec le cœur et les bras. Et donc, quand on a hérité ça de la famille, on a une espèce de devoir intellectuel de poursuivre. Sur les réchauffements climatiques, c'est indéniable, il y a des études scientifiques. Là-dessus, on ne peut pas aller à l'encontre des études scientifiques, c'est forcément la vérité. L'homme, il s'est toujours adapté au milieu dans lequel il se trouve. Et donc, moi, je suis confiant pour l'avenir. On va réussir à dompter la nature, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de préserver l'endroit dans lequel on se trouve, qui est magnifique. Reportage dans le Pas-de-Calais, regardé par notre invité Nabil Wakim, journaliste au Monde, qui est spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie. Dompter la nature, on va réussir à la dompter, dit cet habitant. Ça vous semble quelque chose de réaliste ou c'est une forme de déni qui d'ailleurs peut tous nous toucher les uns et les autres? C'est difficile parce que c'est vrai qu'on a su s'adapter à beaucoup de situations, mais c'est la première fois qu'on est dans une situation où le climat change à une telle vitesse. C'est-à-dire qu'il y a une anormalité complète dans ce réchauffement climatique qui fait que les changements auxquels on est confrontés, on n'est pas habitué à ça et donc c'est beaucoup plus difficile de s'y adapter. Alors c'est vrai, il y a plein de manières différentes de s'adapter au changement climatique, mais la question c'est jusqu'où on s'adapte?
Combien on est prêt à payer pour construire des digues plus hautes face à la montée des eaux? Combien on est prêt à payer pour stocker de l'eau dans des méga-bassines pour essayer d'avoir de l'eau pendant les périodes de sécheresse? Il y a un équilibre là-dedans qui, probablement, à certains moments, n'est plus raisonnable dans notre adaptation au changement climatique. Parce que vous le dites souvent, d'ailleurs, on va devoir s'adapter. Le trait de côte, comme on dit, va reculer. Ce type d'événement climatique de plus en plus fort va se reproduire. Les scientifiques sont catégoriques là-dessus. Et vous dites que le risque, souvent, c'est la mauvaise adaptation. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que face au changement climatique, il y a ces deux jambes sur lesquelles il faut marcher. Le premier, c'est ce dont on parlait avec la COP, cette décarbonation de l'économie, sortir des énergies fossiles. Et puis l'autre, c'est s'adapter parce que de toute façon, même si on faisait tous les efforts, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, même si on faisait tous ces efforts-là, eh ben, on va subir des événements climatiques extrêmes. La mauvaise adaptation, un des exemples de ça les plus faciles à comprendre, c'est la neige artificielle dans les stations de ski. C'est-à-dire, on utilise beaucoup d'eau et d'énergie pour maintenir une économie du ski qui ne pourra plus être celle-là dans les prochaines années. Il vaudrait mieux se préparer à cette transition économique dans un certain nombre de vallées en disant on sait qu'on n'aura plus de neige, donc il faut trouver du travail, il faut trouver des ressources pour vivre autrement. Mais pas de la neige artificielle. C'est la même chose dans le milieu agricole. Et ça, il faut bien comprendre que l'agriculture en France, elle n'est pas prête aujourd'hui. Il va y avoir un risque de baisse de rendement agricole, un risque de catastrophe de plus en plus importante. Voilà, et ça en est l'illustration. Et ça, je trouve que c'est assez préoccupant parce qu'on a aujourd'hui des pouvoirs publics qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réponse. Et en particulier, le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, n'a pas de réponse ni sur la transition agricole, ni sur l'adaptation de nos systèmes agricoles. Et c'est d'abord les agriculteurs qui risquent d'en payer le prix. Et on l'a vu là avec ce cultivateur d'endives, effectivement, de père en fils, et il est le premier touché aussi gravement. Un dernier mot, ces inondations, elles ont touché 5000 logements et il y a eu l'évacuation d'environ 1400 personnes depuis le 6 novembre. Alors, on ne peut pas dire encore aujourd'hui c'est lié au réchauffement climatique à 200%. Cela dit, est-ce qu'il y a une réflexion ou pas aujourd'hui sur le fait de considérer ces hommes et ces femmes comme des réfugiés climatiques? Est-ce que politiquement, il y a une réflexion en ce moment? Alors aujourd'hui, en France, il n'y a pas vraiment de réflexion à ce sujet, mais c'est vrai qu'il va falloir réfléchir dans un certain nombre de territoires, dans le cadre de l'adaptation, à dire, quel prix on est prêt à mettre pour continuer à habiter certains territoires. Et ça doit être une discussion démocratique. Ce n'est pas chacun, chacune qui doit le décider dans son coin. Sinon, c'est les assurances qui vont le décider parce qu'elles vont dire, eh bien, ces territoires ne sont plus assurables parce que ça coûte trop cher. Et ça ne me semble pas être la meilleure manière de faire. Il vaudrait mieux avoir là-dessus une discussion collective et donc de véritables plans d'adaptation au niveau local et au niveau national, ce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore. Merci beaucoup. Merci Nabil Hakim d'être venu ce soir sur ce plateau. On vous lit dans le journal Le Monde très régulièrement et je rappelle le titre de votre podcast dont est tiré ce livre qui vient de sortir au seuil, Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique. Merci encore. Merci. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien devant En Société. Dans une vingtaine de minutes, le Proche-Orient. D'un côté, la violence des colons qui se libèrent en Cisjordanie contre les Palestiniens. Reportage sur place à suivre. De l'autre, l'une des infos de la semaine, deux mois après les massacres du Hamas. La prise de conscience des crimes sexuels commis sur de nombreuses femmes et adolescentes ce jour-là. Le viol comme arme de guerre. Nous en discuterons avec Céline Bardet, l'une des grandes spécialistes de la question, qui revient tout juste d'Israël. Mais on va d'abord continuer à décrypter la société française avec toi, Diana Buitrago, bonsoir. Reporter au sein de la rédaction d'En Société, avec l'un des grands sujets de débat qui est en train de devenir d'ailleurs un peu un serpent de mer, c'est la fin de vie et l'accompagnement des malades dans la dignité, promesse faite par Emmanuel Macron. L'évolution de la loi, plusieurs fois repoussée, devrait finalement être annoncée début janvier. Et dans ce contexte, Diana, on a voulu mettre ce soir un coup de projecteur sur un métier assez méconnu, moi je ne le connaissais pas d'ailleurs, et qui participe pourtant pleinement à cette fin de vie dans la dignité pour les malades. Oui, Karim, c'est le métier des biographes hospitaliers. Ce sont des personnes qui recueillent la parole des patients gravement malades pour en faire un livre dédié à leur famille. Et je suis allée rencontrer la personne qui a inventé ce métier en 2007, c'est Valeria Mileski. Elle travaille aujourd'hui à l'hôpital des Chartres et elle donne l'opportunité justement à ses patients de laisser une trace. C'est un reportage très fort, très émouvant, signé donc Diana Buitrago avec François Benessiano. J'ai toujours dit que je voulais que chaque personne présente à mon enterrement sache ce que je pensais d'eux. J'aimerais beaucoup qu'on pense à moi de temps en temps, juste avec des fleurs fraîches. Un bouquet blanc et bordeaux. Je ne veux pas de chrysanthèmes, même le jour de l'enterrement. Tout ce bazar. J'ai deux amours dans ma vie. Paul et mes filles. Bonjour. Bonjour. Je
Je m'appelle Valérie Amilewski, je suis biographe hospitalière dans un service d'oncohématologie au centre de Chartres. On propose à des personnes qui sont très gravement malades de se raconter, de laisser une trace et de recevoir le livre de leur vie. Parce qu'il était déjà comme ça. Oui, et tu l'enlèves, okay. Tu enlèves la perfusion, tu le mets par voie orale. Okay. D'accord. Okay. Comme ça, ouais, ça sera mieux. Salut Valéria. Coucou à toi, ça va? Oui. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un. Oui. Alors, intéressé par la biographie, raconte. Oui. Alors, bah, tiens, assis-toi donc. Merci. Que je te cause de ça. Vas-y. Alors, écoute, Madame M. Oui. C'est une petite dame. D'accord. Qui est d'origine hollandaise. D'accord. Mais qui parle très bien français. T'as l'impression qu'elle parle en anglais, voilà, mais vraiment très bien. C'est une patiente qui a été soignée pour un cancer du pancréas. Puis là maintenant, depuis une quinzaine de jours, on a arrêté les traitements parce que malheureusement la maladie progressait et qu'on n'avait plus de possibilités pour elle. La semaine dernière, je lui avais parlé de la biographie parce qu'elle me dit, moi j'ai bien compris que bientôt je vais m'en aller. Et pour elle, ça serait vraiment important de pouvoir faire mémoire de tout ça. Valéria, plus que les mémoires, elle soigne la vie. C'est une démarche qui est utile pour les malades, clairement. Bonjour à vous, Valéria. Ça participe de quelque chose qui leur permet de rester vivants. Le docteur vous a parlé de moi. Oui. À un moment où la maladie est très, très, très déstructurante, où la maladie explose les corps et les âmes, et où il faut trouver un petit peu d'unité dans tout ça. Alors, si on commence, et nous, les Français, dès qu'on pense à la Hollande, on pense aux tulipes. Si vous allez là-dessus, c'est mon dada. Alors, c'est quoi votre dada? C'est les fleurs. Non, vous allez m'apprendre beaucoup de choses, alors. Vous allez m'apprendre à les aimer. Vous savez comment ils se sont rencontrés, votre maman et votre papa? Je pense que c'était une histoire de fin de la guerre. D'accord. Parce que moi, je suis née en 47, mais on n'en parle pas beaucoup. Eh oui, ça reste encore un peu... Ah oui. Hein? J'ai même eu des copains. C'est vraiment une relation d'être à l'autre. Il y a le sens de l'écoute. Il ne faut surtout pas être intrusif. Nous ne sommes pas des psychologues, donc on ne va pas chercher à déceler, à connaître, à fouiller, pas du tout. Vous étiez un bébé... Un bébé sage et qui faisait bien ses devoirs et tout ça. On pourrait dire que c'était une enfance un peu sévère, mais joyeuse. Oui, oui. Je peux vous dire, hein, c'est, de toute façon, ils sont décédés tous les deux. J'étais le chouchou de papa. C'est vrai. Celui qui se raconte n'est pas le même que celui qui a vécu. Donc forcément que les souvenirs, ils sont différents avec le prisme des années, le prisme de la maladie. Très beau livre comme ça. Ben voilà, ben vous en aurez un à vous pour vous. Dans le livre, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes, il y a des valeurs qui sont transmises. Chaque personne a un objectif. Je voudrais les offrir à des gens qui n'ont pas toujours tout compris dans ma vie. Mmh. Aussi. Qu'ils puissent le lire, qu'ils comprennent qu'il se passe plein de choses dans une vie. Donc on se retrouve demain. Ce que l'on vient de se dire, c'est entre vous et moi. Mmh. C'est-à-dire, c'est confidentiel. Bien sûr, c'est gratuit. Hein? Oui. Et puis demain, on va revenir un petit peu plus vers vous. L'enfance, l'école, pourquoi avoir quitté la Hollande? Le vrai côté personnel. Voilà, ça vous va? Ça va? Bonjour. Ça va? Je suis
contente de te voir. Je viens pour, tu sais, les livres de la dame. Je vois sa fille tout à l'heure. C'est magnifique. Un bleu. Et un rouge rose, c'est magnifique. Voilà. J'aime bien varier les couleurs, les papiers. Je cherche les petits fils avec lesquels je fais la reliure à la japonaise. Je me dis que la famille est sensible à ça. Eh bien, en fait, le premier monsieur à qui j'ai remis son livre de son vivant, il était très touché d'avoir le livre dans la paume de sa main, comme ça, très ému. Et puis, une semaine après, mes collègues infirmières m'ont dit « Valéria, ce monsieur, il ne va pas bien du tout. » Je suis allée le voir aux urgences. Et là, effectivement, j'ai trouvé un monsieur un peu, d'abord d'une grande tristesse. Et puis, il m'a dit « Mais Valéria, il y a un point. » Il y a un point. Oui. Et pour lui, il ne s'autorisait plus à vivre. Oui. Et on a mis des pages supplémentaires. Des pages blanches à la fin pour que... Ça change tout. Parce que pour que l'histoire continue. Le livre est une sorte de relais entre le vivant et puis la mort. Ah, vous voilà. Bonjour. C'est une bonne idée d'être venue ensemble avec votre papa et puis le petit. Incroyable. On pourrait penser que c'est rendre éternel des souvenirs de la personne qui ne va plus être là. Mais finalement, lorsque j'entends les personnes biographées, elles me disent davantage que c'est elles qui vont devenir éternelles. Je vais pas le dire là, sinon j'ai pleuré, donc... c'est ça. Il faut pas que vous preniez ombrage si jamais il y a quelque chose qui est faux. Oui, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas eu le temps de corriger. Bah non, il n'y a pas de problème. Là, vous allez voir, elle a raconté plein de choses. Je sais comment vous vous êtes rencontrés. Oui, ça, c'est oui. C'est ça. Et que vous faisiez le bout en train et que vous avez laissé un petit papier sur le pare-brise avec votre téléphone. Parce qu'elle a vraiment dit les choses, enfin simplement, mais avec le cœur. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses que je ne savais pas, peut-être aussi, ou qu'on m'a dit que je n'ai pas retenu. Ça fait, faire revivre un petit peu, quoi, à dire. À travers tout ça. Le plus dur, pour ma part, c'est lorsque je rencontre une personne qui me dit qu'elle n'a pas vécu un seul de ses rêves. Grâce à ce nouveau soin, ils arrivent, en fait, ces individus, à trouver de la valeur à leur vie. Mes parents décident de me laisser user mes fonds de culotte à l'école. C'était une belle poupée brune, un peu plus grande que moi. Elle était pomponnée, juste ce qu'il faut. Elle s'appelait Marie-Françoise, avait 18 ans et était apprentie coiffeuse. Aide-toi, bosser, c'est la santé des réponses. Pierre, je dis toujours que je me crafte, je respecte à fait les 400 coups, mais c'est jamais méchant. La vie t'attend seulement après le docteur est puissant. Bonsoir Valéria Milievski. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir aussi ouvert vos portes à Diana Butrago qui est toujours avec nous sur ce plateau. À côté de vous, je ne sais pas si vous connaissez, je vous présente Claude Grange. Nous connaissons. Eh ben, je le présente à ceux qui nous regardent. Alors bienvenue, médecin, praticien hospitalier. Vous avez notamment signé avec le philosophe Régis Debray ce livre, Le Dernier Souffle, accompagner la fin de vie chez Gallimard. Vous êtes spécialisé depuis 30 ans dans les soins palliatifs. Et pourtant, vous parlez de vous comme d'un accoucheur. Oui. Claude Grange. Et d'ailleurs, ça résonne forcément avec ce que fait Valéria Milievski, qui accouche ses patients pour écrire les livres. Comment est-ce que vous regardez ce reportage ? C'est un très beau reportage. Il y a de la douceur, il y a du respect, il y a de l'humanité. On vit en société, de société de plus en plus fracturée, décivilisée, comme vous le dites bien. Et ben voilà, un beau reportage où on s'occupe des personnes vulnérables. Et la transmission pour ceux qui restent, rendre hommage. Je trouve ça formidable. Et moi, j'ai bien aimé cette relation entre le médecin et puis quelqu'un de la société civile. Qui entre dans l'hôpital. Et voilà, parce que c'est pas rien de rentrer dans l'hôpital et d'ouvrir ses portes de l'hôpital à quelqu'un pour recueillir
Voilà, et en faire un livre, je trouve ça formidable. Vous travaillez, vous, avec des biographes hospitaliers? Vous en connaissez? Non, mais je connais Anne Patin, qui est psychologue, qui est une amie, et je connaissais ce travail-là, et je trouve ça formidable. Est-ce que c'est un soin palliatif? Bien sûr. Parmi d'autres? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Partie de cette palette. Bien sûr, de l'accompagnement, du... Voilà, donc le souci de... voilà, on prend en charge le malade, mais aussi la famille et ceux qui vont rester. Non, c'est un très beau témoignage. Vous avez inventé ce métier, Valéria Milewski, de biographe hospitalière, c'était au milieu des années 2000. Vous avez depuis fondé une association qui s'appelle Passeur de mots, Passeur d'histoire, pour former d'autres biographes, parce qu'on ne s'improvise pas à biographe hospitalier, il faut quand même savoir comment parler aux patients, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a poussé à inventer ce métier? Alors, en fait, parfois, il y a des évidences, Karim. Vraiment, un matin, je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace. Non, mais c'est vrai. J'avais vraiment l'idée de ce métier qui a surgi comme ça, juste parce que la veille, j'avais sur un petit papier... c'est un moment de ma vie où j'avais un petit peu de temps, donc j'avais consigné sur un papier, voilà, j'aime les gens, j'aime écrire, j'aime écouter, j'aime les histoires. Et le lendemain matin, j'ai eu cette idée. Ouais. C'est vrai. Et du coup, j'ai mis tout en œuvre. Vous ne vous attendiez pas à cette réponse. Non, non, je me disais, peut-être qu'il y a eu une histoire de vie, une histoire personnelle. Alors, bien sûr que si l'on regarde à distance, bien sûr que finalement, voilà, Valéria Milewski, il y a plein de choses qui sont supposées et elles sont véridiques. Au demeurant, l'histoire, l'idée, elle s'est imposée comme ça. Un matin. Un matin. Valéria Milewski, aujourd'hui, il y a pas mal de temps qui s'est passé depuis ces jours-là que vous parlez. Et c'est devenu votre combat que ces métiers soient reconnus comme un soin. Qu'est-ce que ça changerait pour les biographes que ça soit reconnu? Merci beaucoup, Diana, d'en parler, de le mettre en lumière. Effectivement, à ce jour, on est une vingtaine de biographes dans une cinquantaine de services en France. Donc, c'est encore très peu. On se doit d'aller chercher nos propres financements parce que malheureusement, les hôpitaux, nous ne sommes que quelque peu à être salariés. Donc, le fait que ce soit reconnu comme un nouveau métier et par nos politiques et comme un nouveau soin de support va permettre que ce soit proposé à davantage de personnes très gravement malades, quelque part universaliser cette démarche qui a bon nombre de bénéficiaires. Il y a les patients, c'est vrai, il y a bien sûr les destinataires, les enfants qui à 6-8 ans reçoivent le livre de leur maman qui est décédée, et puis il y a les soignants aussi. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, la dame qu'on voit en reportage, elle est décédée une semaine après le tournage. On remercie ces enfants qui nous ont permis de diffuser ces images. Mais il y a des patients que vous suivez pendant des années, pas forcément une semaine. Tout à fait. Ça va de un jour à 3 ans. Et vous avez l'impression que parfois, ça peut même, j'allais dire, les maintenir en vie plus longtemps, enfin, oui. Le fait d'avoir rendez-vous avec vous Oui. Combien de fois on a pu remarquer que c'est au moment où le livre, l'histoire, pour eux, se termine, que voilà, ils décèdent. Ouais. Donc, il y a toujours, bien sûr, l'énigme du sujet, le mystère du vivant, et voilà. Mais si ça n'est qu'une séance, ce n'est qu'une séance, et ça a autant d'importance, ces biominutes. Claude Grandjouet. Oui, je peux faire... m'empêcher de faire un parallèle donc, avec ce documentaire dont vous avez donc, l'affiche là. Ah, vous m'avez apporté ça en arrivant. Bah, oui. C'est un qui s'appelle Vivant. Voilà. Et donc là, c'est aussi pareil, c'est la transmission. C'est-à-dire que là, on va donc, filmer donc, 3 personnes qui terminent leur vie. Et au départ, on pense que c'est impossible de faire venir une caméra dans ces moments-là, d'un moment très intime. Et finalement, c'est possible. Et derrière, il y a quoi? Il y a aussi ce qu'on laisse aussi derrière, donc la transmission. Ouais. Vous dites souvent, vous avez déjà dit, c'est Diana qui me dit ça, Valéria Milewski, que la mort est perçue comme obscène dans notre société. Est-ce que vous diriez la même chose, Claude Grange? Est-ce qu'on a un rapport un peu obscène à la mort? En dehors de la scène, pardon. Ouais. Obscène, en dehors obscène. De la scène. Obscène, hein, hors de la scène. Donc qui ne doit pas être montré sur scène. On cache la mort. Hein, et bien voilà, le film, les témoignages, c'est important. Je veux dire que nous allons tous mourir un jour. Oui, malheureusement. Voilà. Malheureusement, parce qu'à partir du moment où on vit de plus en plus longtemps. Voilà. Mais... Et donc, ce qui est important, c'est aussi ce dernier moment. Hein. Ce qu'on souhaite tous, on sait qu'on va mourir. Ce n'est pas le fait de mourir, c'est les conditions du mourir. Et que ces moments-là soient des bons moments, des grands moments où on peut écrire un livre, où on peut raconter des histoires, où on peut transmettre à travers un film. Voilà. Et d'être acteur de sa vie jusqu'au bout. Et obscène aussi au sens où, alors, qui ne veut pas être montré, mais qui est forcément lugubre, triste. C'est-à-dire que ça veut dire que ça peut ne pas être
uniquement triste, la mort c'est ce que ça vous apprend aussi, Véra Milevski, cette Alors, cette ce expérience. Que ça m'apprend, c'est que la vie, parce que vraiment, on est à l'endroit de la vie, encore. Hein. Déjà, dans le livre, même si on a 8 ou 10 séances, la maladie n'a que très peu d'importance. Elle est assez loin. Donc, oui, on rit. Oui, bien oui. sûr. Oui. Et je crois qu'on le voit aussi dans le reportage. Cette dame, voilà, elle nous dit des choses, ça me fait rire. En fait, l'essentiel, c'est vraiment la réciprocité, la rencontre avec l'autre qui est essentielle. Claude Grange, vous dites-vous parfois que la médecine palliative, et si on considère que c'est l'un des soins, du coup, le métier de biographe hospitalier, est la mal-aimée de la médecine. Oui, parce que c'est vrai que... Moi, je dis, on a 4 médecines. La médecine préventive, il faut mieux ne pas tomber malade. Ouais. La médecine curative, qui, grâce à la technique et à la science, a fait beaucoup de progrès. La médecine rééducative, quand on a un accident de la vie, c'est une médecine courageuse où il faut réapprendre. Et puis, la médecine palliative. Voilà. Mmh. Et la médecine palliative, personne n'a envie d'y aller au départ, parce que... Quand on est étudiant en médecine... Parce qu'on a envie de vivre. Hein. Mais les personnes... qui sont atteints d'une maladie grave incurable, c'est, voilà, les conditions du mourir. Mmh. Et on fait, là, on change de paradigme, on fait une autre médecine, on fait un projet de soins en fonction de ce que souhaite le malade. Et le malade, il a 3 besoins. Ne pas souffrir, ne pas sentir abandonné, entouré, pouvoir raconter son histoire, et de ne faire des choses qui ont du sens que pour lui. Accompagner le mieux possible ces personnes-là. Et c'est ça, les soins palliatifs. Ouais, mais là, on comprend l'intérêt de ce métier. Une dernière question, parce que vous parlez du bien mourir. Les soins palliatifs, c'est au cœur des débats sur la fin de vie. Oui. Alors, je disais tout à l'heure en titre, c'est un peu un serpent de mer, parce qu'on attendait la réforme courant 2023. Finalement, ce ne sera pas avant janvier 2024. Grande réforme après la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a été mise en place par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole présidentielle, Claude? D'abord, on peut s'interroger pourquoi on met du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'opinion publique globalement, avec tous les sondages, on dit qu'ils sont pour. Oui, si vous interrogez les personnes... Ils sont pour. Sont pour. D'évoluer pour vers la loi, ouais. vers peut-être la légalisation de l'euthanasie. Si vous êtes atteint de maladies graves incurables, ne souhaiteriez-vous pas une petite piqûre pour ouais. Voilà. Mais moi, j'ai eu les personnes qui sont concernées par le sujet, en 25 ans. Et si au départ, ils sont dans cette demande, à partir du moment où ils sont soulagés, accompagnés, ils ne demandent plus de ça. C'est les conditions du mourir qu'on va vers ça. Et moi, ma peur, c'est que le fait, si on légalise ça, et je pense qu'on ira sans doute vers l'aide active... Vous pensez qu'on va aller... Oui. Peut-être pas dès maintenant, mais à terme. À l'aide active à mourir, je pense qu'il ouais. y a 3 volets, sans doute. Mais ça risque d'empêcher le développement des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il y a 3 volets, les droits des malades, le développement des soins palliatifs... Et l'aide active à mourir. J'ai peur que si on va vers cette direction-là, ça empêche le développement des soins actifs. Et on voit ces services-là, c'est des pépites d'humanité, c'est des choses extraordinaires. Alors, si la société civile, à un moment donné, et si les gesteurs veulent aller, oui, mais moi, je pense que... Moi, ça me ferait un grand problème que ça rentre dans les établissements de santé. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites ouais. pourquoi pas, oui. mais pas par les soignants. Ben oui, parce comme que... en Suisse, par exemple, où ça n'est pas dans les... Exactement. Ouais. Moi, je serais plutôt là-dessus, hein, parce qu'en effet, je veux dire que, voilà, on ne sera pas d'accord. Donc, il y en a qui veulent choisir le moment de leur mort. OK, mais peut-être que ça soit dans des lieux peut-être différents, sinon il va y avoir une confusion. Et comment demander à des médecins et des soignants de donner la mort? C'est pas rien, quoi. Ouais. On n'est pas fait pour ça. On n'a pas fait médecine pour ça. Un dernier mot, Véra Milevski, sur ce débat, vous le suivez de près, j'imagine. Je le suis de très près, bien sûr, dès qu'il y a la détresse existentielle, hein, ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité. Et la mort, c'est toujours une espèce de tache aveugle, quelque chose de béant. Donc, Toinière, il y a fracture et il n'y a pas les bons et les côtés d'un côté et les mauvais de l'autre. Mais il y a des gens qui ont de l'expérience. Alors, ce n'est pas de l'expérience forcément intime, mais c'est de l'expérience professionnelle, sensible. Et ça me semble important. Et juste, par exemple, nous, à Chartres et dans d'autres établissements de santé, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une tentative de suicide ou qui demande une aide active à mourir, le médecin ou un infirmier va lui proposer de faire récit de soi, récit de sa vie avec un biographe formé qui fait partie de l'équipe, hein, parce qu'on est vraiment, nous, intégrés au sein d'une équipe. On est là toujours. Et on a pu remarquer à 100%
que plus jamais ils ne réitéraient leurs gestes où ils avaient ce genre de demande. C'est interrogeant, je dis juste ça. C'est interrogeant et c'est un débat passionnant et on en reparlera évidemment en début d'année prochaine quand le sujet reviendra. Merci beaucoup avec d'être venu, on est très heureux d'avoir mis un coup de projecteur sur ce métier. Valérie Milevski, bon retour à Chartres. Et vous, Claude Grange, il y a ce documentaire vivant de votre fils, Victor Grange. Vous cherchez encore un diffuseur, je le dis. Et puis ce livre, Le Dernier Souffle, accompagner la fin de vie, écrit avec Régis Debray et publié chez Gallimard. Merci beaucoup, merci à toi Diana. Et bon retour à tous les trois. Allez, comme promis, on va terminer cette émission en prenant des nouvelles du Proche-Orient. Semaine marquée par de nouvelles révélations sur les atrocités commises par les hommes du Hamas le 7 octobre dernier. Des viols, des sévices sexuels sur de nombreuses femmes et sur des adolescentes également. Nous en parlerons tout à l'heure avec Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale qui revient tout juste d'Israël, où elle a enquêté sur l'utilisation du viol comme arme de guerre le 7 octobre dernier. Semaine également marquée par des bombardements d'une violence inouïe dans la bande de Gaza, bombardements de plus en plus meurtriers pour les civils palestiniens, des civils qui meurent aussi dans l'autre partie de la Palestine, en Cisjordanie, d'où revient Philomène Remis. Bonsoir Philomène, bonsoir. Grand reporter pour En Société. Le chiffre est impressionnant. Pendant que le monde entier regarde Gaza, près de 250 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre en Cisjordanie, alors par des soldats ou par des colons protégés par l'armée israélienne. Et face à cette violence qui se déchaîne, d'autres Israéliens que nous avons suivis disent non et enquêtent pour dénoncer ces exactions. Et ceux qui disent non et qu'on a rencontrés, ce sont tous des anciens soldats de Tsahal. Alors, ils ont fondé une association qui s'appelle Breaking the Silence, briser le silence. Et leur but, c'est de dénoncer les méthodes utilisées par l'armée israélienne, donc dans les territoires occupés en Cisjordanie, mais aussi à Gaza. Et depuis près de 20 ans, ils ont recueilli des centaines et des centaines de témoignages de soldats. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils mettent parfois des mois, voire des années à les publier, parce qu'ils font un travail de vérification titanesque et un travail d'autant plus difficile qu'ils sont dans le viseur de la droite nationaliste qui les considère comme des traîtres. Je le précise, si jamais des enfants sont devant la télévision, certaines images de ce reportage peuvent heurter, être un peu choquantes. Colonisation, ceux qui disent non. C'est donc signé Philomène Remis avec Vincent Kellner et Mehdi Rondeleu. Mes deux frères aînés ont servi dans les forces spéciales. Mon père était commandant de bataillon dans les parachutistes. Donc pour moi, la question ne s'est même pas posée. En 2005, j'ai rejoint l'armée israélienne. Dans mon unité, j'étais sniper. Quand t'es sniper, t'es clairement pas là pour enfiler des perles. T'es là pour tuer. Je m'appelle Nadav Weiman, j'ai 37 ans, je suis né et j'ai grandi à Tel Aviv. Aujourd'hui, les soldats de mon unité m'appellent le traître. On a combattu ensemble, mais à partir du moment où j'ai dénoncé ce qu'on faisait, je suis devenu le traître. L'association Breaking the Silence a été créée en 2004 par un groupe de soldats en mission dans la ville d'Hébron. Pendant leur service, ils ont compris qu'il y avait une chose dont la société israélienne ne voulait pas parler, que personne n'était conscient de ce que les soldats faisaient réellement. Installer des checkpoints, imposer des couvre-feux, arrêter des enfants. Et là, d'autres soldats se sont mis à parler et ont dit « on fait pareil ». Et d'autres qui ont servi à Gaza ont dit « on a fait pire ». Donc depuis 2004, c'est ce qu'on fait, collecter des témoignages d'hommes et de femmes soldats qui ont servi en Cisjordanie et à Gaza. En tout, on a récolté un peu plus de 1300 témoignages. En ce moment, il y a un climat pour faire taire les voix dissidentes dans notre société. On a même été menacés de mort plusieurs fois. Donc après le 7 octobre, nous avons changé la porte pour une porte blindée. On publie des témoignages, mais on parle aussi de ce qui se passe en ce moment. Quelle est la stratégie militaire? On doit comprendre la doctrine. Et pour ça, on va aller dans le sud, sur les hauteurs d'Hébron, dans un village palestinien qui s'appelle At-Touani. On est sur la route 60, la principale route de Cisjordanie. À gauche, c'est censé être Israël, et à droite, les territoires palestiniens.
C'est un peu la route de tous les dangers, comme toutes les routes en Cisjordanie. On peut se faire tirer dessus par des Palestiniens car on conduit une voiture avec une plaque d'immatriculation israélienne. On peut aussi se faire arrêter par des colons qui cherchent à se venger de notre association. IDF. Ah bah là, c'est l'armée, et bien sûr, ils arrivent sur nous. Souriez les gars, on est filmés. C'est une zone militaire fermée. Ah bon? Je peux voir le décret? Vous êtes qui? La télé française. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on est venu filmer. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? J'ai pas le droit de demander pourquoi? Si, t'as le droit. On est là parce que toute une communauté de Palestiniens subit de telles violences de la part des colons qu'ils abandonnent leur maison. Et t'as rien d'autre à faire? Pourquoi tu caches ton visage? De quoi t'as peur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors me dis rien. Me demande pas pourquoi je cache mon visage. T'as le droit de poser des questions, mais moi j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit, t'es dans ma zone. Ta zone? Ah bon, je savais pas. C'est ma zone et on est souverain ici. Ce qu'ils font ici, c'est dégager un peu plus les communautés palestiniennes. Ils ne peuvent même plus rentrer chez eux, car c'est devenu une zone militaire fermée. Après les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, vous savez, les enlèvements, les crimes, les viols, l'ampleur du massacre a vraiment changé la façon dont les Israéliens pensent ou parlent de l'occupation. C'est devenu très extrême. Tout est très polarisé. Salut, comment ça va? Ça va. En ce moment, avec l'augmentation des violences, on est à bout. Mon cousin s'est fait tirer dessus ici, près de la mosquée, en sortant de la prière du vendredi. C'était le 13 octobre. Lui, c'est un colon qui est descendu de son avant-poste. C'est fou. C'est moi qui ai filmé d'ici. Tu vois le soldat là? Oui, il fait rien, il s'éloigne. Quand j'étais à l'armée, on nous disait de protéger les colons et de combattre les Palestiniens. Donc voir ça en tant que soldat, c'est la chose la plus logique du monde. Mais en tant qu'activiste, je trouve ça fou. Ça dépasse l'entendement. C'est le colon qui devrait être arrêté immédiatement. Depuis le 7 octobre, ils ont un sentiment d'impunité. Les colons portent maintenant l'uniforme de l'armée. Ils viennent chez toi, te mettent une arme sur la tête et te disent « Tu as 24 heures pour partir ou bien on te descend. » Ce qu'on fait avec l'association, c'est forcer la société israélienne à se regarder dans un miroir pour qu'elle comprenne qui elle est. Moi, je dois accepter les conséquences de ce que j'ai fait. C'est ça le pouvoir de Breaking the Silence. On ne va pas chercher d'autres coupables. Je me regarde et je me dis, ouais, j'ai fait ça. Reportage signé Philomène Remy, qui est toujours avec moi sur ce plateau pour aller plus loin. Philomène, on vient de voir ces images très choquantes. D'ailleurs, je l'ai senti dans le public quand ce tir est parti. Un homme palestinien qui s'est fait tirer dessus à bout portant par un colon. Est-ce qu'on a d'ailleurs des nouvelles médicales, j'allais dire, de cet homme palestinien? Alors, j'ai parlé à Bazel Adra juste avant l'émission. Son cousin
est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger. Le colon, lui, il n'a même pas été arrêté. On n'a aucune information concernant un éventuel procès. Et pire, ce que l'on voit en fait sur les images de la vidéo, c'est que le soldat, il semble même assurer ses arrières. On le voit, en fait, il va pointer son arme non pas vers l'assaillant, mais vers l'extérieur, comme s'il voulait sécuriser sa sortie. Et en fait, cet incident, c'est loin d'être un cas isolé. Selon les Nations Unies, il y a désormais en moyenne 7 incidents entre les colons et les Palestiniens par jour. 7 par jour. 7 par jour. Et dans près de la moitié des cas, en fait, les forces de sécurité israéliennes ont accompagné ou soutenu activement le ou les assaillants. Si on dézoome un peu, Philomène, cette collusion entre les colons et l'armée israélienne, non seulement elle est tolérée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais elle est aussi orchestrée par certains ministres aujourd'hui. Clairement, et il ne s'en cache pas. Je vais te donner un exemple. Après le 7 octobre, le ministre d'extrême droite en charge de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, il a annoncé qu'il allait distribuer 10 000 armes à feu aux unités de sécurité civile, qui incluent des colons volontaires, en clair, des milices. Et donc, il y a des réservistes, mais aussi des civils qui font partie des escadrons de sécurité, armés par le gouvernement depuis le début de la guerre. Mais le coup de massue pour les Palestiniens, en fait, c'est que ces jeunes des collines, les colons avec qui ils s'affrontaient, désormais, ils portent l'uniforme de l'armée et ils ont l'impression qu'ils ne font plus qu'un avec les militaires. Ces colons, ils sont armés depuis très longtemps, en réalité, Philomène. La question, c'est qu'en pense le reste de la société israélienne? Est-ce que depuis le 7 octobre, cette violence ou ce choix des armes gagne aussi l'ensemble de la société? Je vais commencer par te donner un chiffre, 260 000. 260 000, c'est le nombre d'Israéliens qui ont fait une demande pour porter une arme depuis le 7 octobre. Et lorsqu'on était en tournage là-bas, on s'est rendu dans l'un des plus gros centres de tir du pays. Et ce qu'on a vu, eh bien, c'est qu'il y avait des colons, mais pas que. Il y a des gens de Tel Aviv, de Jérusalem, d'un peu partout dans le pays. On a aussi constaté autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes. Certaines n'auraient jamais imaginé tenir entre leurs mains une arme, mais ce qu'elles nous ont toutes dit, c'est qu'après les massacres et les violences du 7 octobre, et particulièrement les violences sexuelles, eh bien, elles ne se sentent plus en sécurité. Les récits de ces viols s'alléantent, et l'une d'elles nous a même dit « J'espère qu'avec cette arme, je vais enfin pouvoir dormir la nuit ». Merci Philomène pour ce reportage en Cisjordanie et pour ces précisions. Tu parles de ces violences sexuelles du 7 octobre. C'est justement l'un des faits marquants de la semaine. De plus en plus de femmes, ou de témoins d'ailleurs, racontent désormais l'ampleur des viols et des sévices sexuels commis par les terroristes du Hamas ce jour-là. Dénoncer le viol comme arme de guerre, comme crime de guerre, c'est le combat de celle qui nous rejoint maintenant sur le plateau dans Société. J'accueille Céline Bardet, juriste et enquêtrice internationale, qui vient de regarder ce reportage d'ailleurs et qui rentre tout juste d'Israël. Soyez la bienvenue. Merci. Merci d'être là, Céline Bardet. Vous êtes l'une des grandes spécialistes de cette question, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. Sous-entendu, le corps des femmes n'est pas une arme de guerre. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez d'Israël, Céline Bardet? Un peu. Là, je regardais le reportage juste avant. C'est très. Déjà, on reconnaît absolument pas Israël. Tel Aviv, c'est une ville très vivante. Il y a une espèce de silence. Ouais, de silence. Et puis de. Je sais même pas comment expliquer ça. Là, comme une chape posée. Donc c'est très étrange. Et puis voilà, on sent la lourdeur de tout quoi. De un côté toute la situation. Un côté anesthésié. Oui, voilà, Exola. C'était le mot que je cherchais. C'est ça. C'est qu'il y a en fait comme une forme d'anesthésie. Et d'ailleurs, les gens, ils parlent pas beaucoup. Voilà, comme si justement les mots, voilà, il y avait des mots, ils n'étaient pas suffisants, quoi. Donc c'est un ressenti qu'il y a. Vous êtes rendu sur les lieux des massacres du 7 octobre, certains lieux. Une enquête comme la vôtre, comment est-ce qu'elle se passe très concrètement, Céline Bardet? On récolte des témoignages, des preuves, comment ça se passe? Oui, alors, une enquête normalement, enfin normalement si je puis dire, mais déjà une enquête comme ça, elle se passe sur le terrain et elle se passe souvent avec des survivants qui témoignent. Donc je pense qu'on viendra à ça, mais la singularité de la situation du 7 octobre, c'est que pour le moment, toutes les femmes qui auraient subi ces crimes sexuels seraient mortes, enfin sont mortes, pardon. Donc voilà. Ensuite, parlons-en maintenant. Ouais. Il n'y a pas de survivantes qui ont été violées, alors, peut-être parmi les otages. Alors, d'abord, il y a la question des otages, qu'on ne sait pas, je crois comme...
comme moi, vous avez vu, déclaration d'un médecin, mais qui est quand même anonyme. Bon, je pense que tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions, mais il y a la situation des otages. Il y a la situation aussi où je pense qu'on n'est pas... il peut y avoir eu des personnes qui ont vécu des crimes sexuels et qui, pour l'instant, ne parlent pas. Parce que pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, c'est qu'il faut voir aussi qu'il y a cette espèce d'unité qui est imposée et qui s'impose à eux-mêmes aussi. D'une part de la guerre, de cette guerre absolument atroce, et de la question des otages. Et donc de l'obsession de se dire, si je dis quelque chose, est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens qui sont encore détenus? Donc il y a ça aussi. Comme s'ils étaient dans le temps de la guerre et pas encore dans le temps de l'après-guerre et de la justice. Ouais. Je parlais des preuves. On pourrait récolter des preuves dans les kibbutz, par exemple, ou sur les lieux de la rêve partie. Il y a des preuves qui sont récoltables? D'abord, les autorités en charge de récolter ces preuves, quand même, sont les institutions israéliennes. Ouais. Et il faut quand même noter qu'elles ont ouvert une enquête spéciale sur les crimes sexuels il y a seulement 15 jours. Il y a 15 jours. 6 semaines après les faits, présumé. Donc ça, c'est quand même aussi une question, parce qu'on sait qu'ils critiquent beaucoup l'international de ne pas s'être exprimé, mais voilà, je pense que tout le monde est en retard. Mais encore une fois, parce que c'est toujours la dernière roue du carrosse, les crimes sexuels. C'est ça, j'allais dire pourquoi 6 semaines. Tout le temps. Mais moi, je ne sais pas qu'on vienne m'expliquer pourquoi. Tout le temps, partout, tout le temps. Quand il y a des conflits, quand il y a un crime de masse, quand il y a des violences extrêmes, aussi barbares qu'on a pu voir le 7 octobre, on sait qu'il y a toujours des crimes sexuels. Et on regarde ça toujours en dernier. Donc je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous, d'ailleurs à tous les niveaux, aussi en France, au niveau du droit commun, des viols. Donc ça, c'est une chose. Après, effectivement, eux, ils ont un contexte qui est celui de la guerre, celui des otages. Et puis, ils ont quand même, il ne faut pas oublier, il y a 22 lieux d'exactions où il y a eu des massacres. C'est plus de 1200 personnes. Il y a encore aujourd'hui des corps qui ne sont pas retrouvés. Donc ça demande aussi beaucoup de ressources, de compétences, de mobilisation. Donc je pense que tout ça, ça prend du temps. Donc après, pour répondre enfin à votre question, ce que je n'arrive pas à faire, c'est que je disais souvent il y a des survivants, mais il n'y a pas que ça. Donc on n'a pas besoin nécessairement des témoignages. Le Rwanda, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées pendant le génocide, violées et tuées. Donc il y a aussi tout ce que j'appelle les preuves circonstanciées, les photos. On a des corps, un certain nombre de corps qui ont été retrouvés dénudés. On a des pelvis brisés, on a les fameuses vidéos. Il ne faut pas oublier aussi que le Hamas s'est filmé, donc il y a besoin d'analyser toutes ces vidéos. Et les vidéos, il faut faire attention. Moi, j'en ai vu certaines, j'ai vu des corps. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Zaka, qui sont les groupes qui... C'est l'ONG de secouristes israéliens, oui. Voilà. Qui sont les premiers à être intervenus. Sont les premiers à être intervenus, et ça aussi sera une autre question aussi, parce que l'armée de Tzahal n'était pas là aussi tout de suite. Mais eux, ils ont eu le réflexe beaucoup. Ils ont évidemment tellement été choqués. Ils ont pris en photo les corps. Et en fait, l'un d'eux m'a dit, ouais, je l'ai fait parce que, aussi, on a vu, parce que ça a mis du temps à arriver et tout, et donc je voulais qu'on catégorise ça, quoi. Donc ils ont pris beaucoup les corps en photo, donc on voit ça. Donc tout ça, ce sont des éléments. Il y a eu les vidéos, on a vu la vidéo de cette jeune fille allemande qui a été dénudée, paradée. Et qu'on a vue dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, on lui crache dessus. Enfin, et avec des taches de sang aussi au niveau du bassin. On a vu tout ça. Donc on sait que tout ça s'établit. Maintenant, il faut établir de manière plus précise, il faut documenter, il faut enquêter. Et le problème, un tout petit peu, c'est que Israël parle beaucoup aujourd'hui, commence à parler, on a la police qui parle, il y a quelques témoignages directs, donc il y a aussi ceux qui ont vu. Mmh. Ouais. Mais ceux qui, encore par exemple, du mal des hommes qui étaient cachés, par exemple à la rêve partie, qui étaient cachés, qui ont vu des choses. En fait, il faut s'imaginer, parce qu'il y a eu le festival, les gens sont bien courus, ils sont tous cachés là où ils pouvaient, et donc parfois ils étaient impuissants et ils ont pu voir certaines choses. Je pense à ça aussi parce que c'est un élément aussi qui est très important, parce que je pense qu'il faut se rendre compte aussi du trauma que c'est. Ouais. Il y a des gens qui ont vu. Des viols ou d'autres choses d'ailleurs. Quand on dit d'autres choses, c'est quoi? Tous les exactions, les gens qui sont exécutés, les corps qui sont brûlés. Quand on parle de sévices sexuels, pas pour rentrer dans le détail, mais vous avez vu, vous, des photos, des images Alors, moi, j'ai vu des photos de corps de femmes, dont un avec un ciseau
enfoncé dans le vagin, je suis désolée de dire ça comme ça. Parce qu'il faut aussi peut-être être pédagogique, on parle viol. En fait, les violences sexuelles, au sens international, c'est pas, entre guillemets, uniquement le viol. C'est aussi violer les personnes, enfin c'est un acte de viol hein, avec des objets, ce qu'on voit dans d'autres pays, hein, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan. C'est aussi exposer des femmes nues, les humilier, c'est... agresser, mutiler les parties génitales. Il faut savoir aussi que là, dans le dossier, il y a des mutilations de parties génitales de femmes, il y a aussi des mutilations de parties génitales d'hommes. Le viol de guerre n'est pas uniquement seulement... ne concerne pas que les femmes. Donc il y a tout ça, mais il faut arriver à... par exemple, ce qu'on ne peut pas établir aujourd'hui, j'entends beaucoup, c'est l'ampleur. Ouais. Moi, si on me demande, je ne sais pas. On ne sait pas le nombre de viols, de crimes sexuels. Et est-ce qu'on sait si ça a été planifié? Ou est-ce que c'est l'un des éléments qui reste à définir? Est-ce qu'on sait si, en partant de la bande de Gaza ce matin-là, les terroristes du Hamas avaient la mission, j'allais dire, en tout cas l'ordre de violer le plus de femmes possible? Non, enfin, ça, on ne le sait pas pour l'instant. Et ça, ça fait partie de l'enquête ou pas? Alors, mais, oui, c'est important de le définir parce qu'en en fait, il y a une responsabilité de commandement. Mais moi, très honnêtement, je suis un peu... Enfin, se focaliser là-dessus, je ne pense pas que ça ne change pas la qualification. Ça entraîne une responsabilité de commandement. Néanmoins, ce que je répète tout le temps, c'est que quelqu'un qui est à la tête d'une unité, d'une branche armée, quelle qu'elle soit, et qui sait que ces hommes vont commettre des barbaries et des viol, il a une responsabilité de commandement et s'il n'agit pas après à titre disciplinaire, il peut être poursuivi pour viol, pour les viols que ces hommes ont commis. Donc ça ne change pas qu'ils aient été ordonnés par écrit ou pas, on ne sait ça pas. Ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions-là dans beaucoup de pays. C'est la première fois au Proche-Orient qu'on assiste à ce type de crime sexuel, même si on n'a pas encore l'ampleur. Est-ce que c'est la première fois dans ce conflit? C'est un conflit qui a 75, 80, 90 ans. Je crois que déjà le niveau de barbarie, de manière générale, il est quand même assez singulier et assez inédit. Ensuite, la question des violences sexuelles, moi, je ne l'ai jamais vue avant dans les conflits. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a aussi la question, et on voyait récemment le comportement des soldats, il y a ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de violences sexuelles exercées par les soldats, mais dans les combats, elles n'ont pas été utilisées jusqu'à maintenant. Vous dites souvent, c'est sur le site de l'association, je crois, vous écrivez, le viol de guerre constitue le crime parfait. Ouais. Pourquoi c'est le crime parfait, le viol de guerre? C'est le crime parfait parce que il est souvent silencieux. C'est-à-dire que soit vous violez pour humilier et vous tuer, soit vous violez mais vous savez que la personne va mettre beaucoup de temps à parler. Et c'est aussi le crime parfait parce que il est pratique. C'est-à-dire que vous tuez quelqu'un, vous violez quelqu'un, vous souillez cette personne et donc vous souillez toute sa famille et toute sa communauté. Il ne faut pas oublier aussi que les viols dans les zones de conflit, ils sont faits en public en général, ils sont faits dehors, il y a une question d'être vu. Et là aussi, c'est intéressant, si je puis dire, parce qu'ils sont beaucoup filmés. J'ai vu aussi, vous m'avez posé la question, il y a des vidéos, moi j'ai vu une vidéo où clairement on voit qu'il y a un viol qui est en train d'être fait, ça bouge dans tous les sens, mais on voit ça. Donc le fait qu'ils se soient filmés, le fait qu'ils aient balancer ça au départ sur les réseaux sociaux, ça aussi, c'est le fait qu'ils paradent comme ça dans Gaza. Donc c'est tout ça. Ça fait partie le viol. De la terreur, et en réalité, du terrorisme. Oui, ça fait partie de la terreur, mais c'est aussi, il y a une humiliation très, très forte, quoi. Très, très, très ciblée. C'est quoi la suite pour vous? Vous êtes enquêtrice internationale. Est-ce que vous allez retourner en Israël? Est-ce que vous avez les financements pour retourner, pour faire cette enquête? Comment est-ce que ça se passe très concrètement? Et c'est quoi le but ultime? C'est une plainte devant la Cour pénale internationale? Enfin, c'est quoi l'issue? Alors nous, on travaille avec une avocate israélienne, on travaille avec plusieurs avocats. Oui, on va y retourner parce que là, c'était un premier contact. On n'a pas totalement initié, on va sortir un rapport. Non, on n'a pas les fonds suffisants. Donc, il faut. Mais aussi, je vais répondre pourquoi on le fait. D'abord, on le fait, nous, on réagit sur toutes les crises et les conflits. On ne peut pas être partout. Si je pouvais, j'aimerais tellement. Mais la question d'Israël, elle est quand même importante parce qu'on voit bien qu'elle est dans une question politique beaucoup plus sensible et que, comme Israël aussi ne communique pas beaucoup, et il faut quand même qu'on arrive à établir ce qui s'est passé. Il faut qu'on arrive à l'établir de manière précise et il faut qu'on arrive à l'établir de manière indépendante.
et factuel. Donc c'est aussi pour cette raison-là. Et dire ça, ça n'est pas minorer ce qui s'est passé ce jour-là. Je le précise. Dire ça, dire qu'il faut réussir à établir ce qui s'est passé, c'est... Voilà, oui, bien, voilà, c'est... bien sûr. Non, mais évidemment, parce que les crimes sexuels, ils sont établis. Ouais. La question, c'est, à votre question, c'était dans quelle ampleur, ouais. quel est le modus operandi et qui sont les violeurs. Parce que ça aussi, c'est la question qu'on oublie toujours de poser. Qui sont les violeurs? We are not weapons of war. Nous ne sommes pas des armes de guerre, c'est le nom de votre ONG. Merci beaucoup, Céline Bardet, d'être venue témoigner, nous éclairer ce soir sur le plateau dans Société. Merci à vous. Dans un instant, sur France 5, on retrouve Thomas Snegaroff. Bien sûr, c'est politique. Salut Thomas. Retour à l'écologie à deux jours. On en parlait en début dans Société de la fin de la COP à Dubaï. Avec cette question, climat, le lobby pétrolier a-t-il déjà gagné? Le débat dans un instant. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, 18h35, en Société. Et merci infiniment de votre fidélité. Ciao.